Tipi.com, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est vendredi, c'est début de week-end là et nous souhaitons eh ben, bon début de week-end à tout le monde, toutes amis, quel que soit côté où il y a dans Mozza et quel que soit tout à l'heure disponible pour assister à la vidéo. Ça. Et nous demandons un grand service, mesdames et messieurs, pas hésiter à abonner et surtout commenter en bas chaque vidéo nous partager sur channel ça qui est opinion. Et parce que faut qu'on parle tout, c'est pas seulement garder et tendre ça qu'a dit mais ou même tout, ou qu'a quitter opinion en bas vidéo pour dire nous qui ça ou penser eh ben de ça que ou même ou saut tendre ya. Bon, on aller selon et toute information que nous pourrons partager avec vous là sur dossier insécurité ya, et dans moment on a parlé là avec Ariel avec Léon Charles qui c'est ancien DGPNH, mesdames et messieurs, eh bien, que la justice a convoqué pour monsieur lui-même, eh bien, venir répondre à question sur dossier assassinat Jovenel là. Et nous connaissons Léon Charles, monsieur, venir répondre à question déjà. Fois, ça, c'est pas question Léon Charles doit venir répondre. C'est en bas code pour mettre Léon Charles parce qu'il y a un acteur pour Léon Charles, monsieur, pas capable dans tout le Jovenel même. Parce que et nous, ouais, tout ça qui est passé, d'ailleurs, c'est l'année dans le pays, ya. Nous tap suivre, nous tap tendre et nous tap garder. Eh bien, comment ça, il y a Ariel tout que juge eh bien, Walter lui-même l'a convoqué dans le même dossier assassinat Jovenel ça, parce que et selon et donc il relevé des notes téléphoniques que Digicel n'a comme te bail Ariel Henry monsieur te parlé avec un assassin qui touye Jovenel et Léon Charles tout c'est monsieur qui te mette et donc opération sous pied et dans le même jour connaît Jovenel tap mourir parce que tout nèg sa yo était au courant selon eh ben DCPJ et dans vidéo ça nous pral inviter au gain plus en détail gagne tout dossier et militaire Kenya qui gagne pour venir aider Haïti dans dossier insécurité eh ben qui donc et selon ça et donc colonel Imle Rebu lui-même qui sont anciens officiers l'armée d'Haïti mesdames et messieurs et eh ben monsieur fait qu'on est et militaire Kenya sa yo yo doué tout marché accès que yo en bas main yo parce que en pile nan nèg yo a mouri oui en pile nan nèg yo a mouri il a dit mouri donc nous connaît Jean Bagay parce que terrain c'est bon terrain qui vraiment facile parce que militaire Kenya pas compte rien donc pour te bourrer comme ça m'pas besoin d'ou grand pile k'ap tombé selon et colonel Imle début et dans vidéo ça nous pral invite au gain tout détail ou sous TV la caille restez connecté bonne écoute tout le monde abonné commenter like partager nous dans moment nous connaît que et Haïti lui-même a vécu une situation tête chargée et plus passé 83 cas de kidnapping mais dans région métropolitaine en grande partie et nous capable dire porter la maillole dans question kidnapping donc ça veut dire que le bois calé n'est-ce pas vrai qui t'a porté résultat mais monsieur vient garder en pile secteur dans la vie nationale là et qui prend la victime de ce kidnapping de ce fléau de kidnapping eh bien et secteur ça qu'on a critiqué le bois calé en tant que tel et des personnalités qui qu'on a critiqué le bois calé eh bien je ne veux dire là eh bien nous capables de dire que et c'est eux même encore qui victime et ça prend la cause que pays a vient tomber dans situation de non retour mais on nous dit que je dis à là et nous pensons que population même gens blancs qu'on dit mais destin population c'est dans main lié destin population c'est dans main lié et ces populations qui pour qu'on ait exactement qui ça qui a bon pour lui et je dis à là capable de dire et tel fort que pays ça même blanc yo la communauté internationale toujours dit la solution doit être haïtienne maintenant si même communauté internationale là dit que solution à l'île haïtienne pour qui ça nous mêmes au niveau de ce pays au niveau de la société civile eh bien, nous pas prendre destin en main pour que au moins nous sortir avec une solution durable de façon à ce que nous nous prend destin nous en main. Et si la communauté internationale dit que la solution doit être haïtienne, maintenant nous autres au niveau de ce pays, pour qui ça nous oblige à attendre qu'il est blanc à voyer une force multinationale venir dans le pays à son base quelconque. Maintenant, en pile monde, par exemple, il y a un citoyen américain, il y a une autorité américaine qui faut qu'on ait que il y a besoin de 200 à 400 millions de dollars chaque année pour force là. Pendant que
la police nationale Haïti à toute l'armée là, il y a besoin de 200 millions de dollars, OK, pour BBC, pour équiper la police avec l'armée. Donc ça veut dire que je dis là pour montrer une bêtise qui a passé nous. Yo connaît exactement qui ça de fait d'ailleurs. Et nous avons été formés aux États-Unis, OK, à Fort Leonard, à Missouri, dans une plus grosse base de l'armée américaine. Donc police là qui là qui formé en Équateur, police là qui là qui formé au Canada, police là qui là qui a des éléments là-dedans qui formé en infanterie, OK, au Japon, en France. Donc ça veut dire que tout côté qui gagne et force l'armée à travers le monde, la police nationale, à travers des unités spécialisées, faut que nous disons que nous recevons formation pour être capable de résoudre le problème qui vient là. Mais malheureusement, tout est politique. La politique est de mise. La politique est entrée en ligne de compte, qui fait que, je vous dis là, nous avons fait face avec ça qui vient là. Maintenant, mettez de côté ce problème ça autour. Nous reconnaissons en police ça. Il y a trois oranges pourries. Nous reconnaissons en police ça. Il y a des problèmes, OK, au niveau du recommandement. Côté les leaders, les chefs policiers lui-même abattent pour que lui mette les points sur les i. Et vous pouvez constater des mondes qui besoin de occuper poste directeur général là. Maintenant, mettez pour figue en bas pied. Et c'est ça qui peut arriver, qui je pourrais le voir, OK, depuis la nuit des temps, où tout nous joigne des inspecteurs généraux, des commissaires divisionnaires, mettez pour figue en bas pied. Directeur général police de façon à ce que yo vinn occuper place là eux-mêmes. Mais ça que yo pas tenu compte de problèmes yo même bon côté parole là fin prend poste là tout qui ça pral gagner parce que yo même yo t'a mettre poste figure papier X maintenant yo même comme Z pral gagner problème. Donc c'est ça que je veux dire là. Nous devons faire un appel à toute responsable police nationale, à toute responsable OK de troupes de commissariat, de sous-commissariat, à tout responsable au niveau de la police nationale, de l'institution policière, pour que au moins ils arrivent, mettez-vous ensemble, pour que au moins nous venions avec un plan, OK, un plan, pour que nous capables continuer à mater. D'ailleurs, la police capable, au niveau de la DCPJ, par exemple, gagner la cellule contre enlèvement, qui travaille sérieusement, gagner BRI. Gagne BLVV qui c'est brigade de lutte contre des vols de véhicules. Donc ça dit un ensemble de brigades en dedans de CPJ. OK. Donc ça dit que un paquet de bagages nous capable faire. Donc journée aujourd'hui là, il revient à l'institution policière d'assumer sa responsabilité et que le gouvernement de son côté dégage la police nationale moyen d'avoir moyen pour ça. Pour équiper police là. Maintenant, la communauté internationale, il faut cesser, n'est-ce pas vrai, cette question d'hypocrisie. Donc, nous connaissons aujourd'hui, c'est vendredi. Nous connaissons ce vendredi anti-stress. Mais pendant ce vendredi anti-stress là, on nous dit, monsieur, aujourd'hui, il faut que la société civile là, il faut que des gens qui sont capables, qui ont compétence, qui ont capacité dans la question de sécurité, au moins mais des pays monsieur en bas coup de mes panneaux nous connaissons que aujourd'hui là pays a pas carré comme ça chaque fois blanc yo communauté internationale là a passé une bêtise ou est dernièrement là qui ça négo faire yo droit que il y a venu avec Kenya et Kenya vient à 1000 policiers pendant que même Kenya ça et pas le problème ne pas gagner la caillou. Donc nous pas dit pour autant que Kenya pas venir là venir porter coller non oui vraiment nous besoin OK, une force de support, ça n'est les forces de support à la police nationale. La police besoin d'encadrement, certes. Okay? D'accord, nous besoin ça. Les éléments de la police nationale, les policiers qui respectent les têtes, yo ka résoudre ça gain là. Moi, je connais des policiers, OK, qui pas ka payer caillou. Moi, je connais des policiers, des commissaires de police, des commissaires pas des moines, des commissaires de police qui non ferme, qui pas ka payer caillou, qui respectent les têtes. Moi, je connais des policiers agent 3, agent 4, inspecteur divisionnaire, commissaire principal, commissaire municipal, qui n'a pas payé caillou, mais qui retient dans l'autre discipline, qui fait travail comme ça doit, qui organise au niveau, qui n'a pas impliqué dans la corruption, pendant que lui-même n'a pas fait effet. Même au niveau de certaines brigades, par exemple, brigade de lutte contre des trafiquants de stupéfiants, bon ensemble de policiers là, au lieu que
yo tombe non corruption infernale, mais on a grevé le côté dire. Il fait voile, il y a essayé ouais organiser pour quitter pays là. Bien plusieurs policiers me connaissent là qui quitter pays à un moment on a parlé avant là. Mais yo même on connaît nous parler, nous planer, nous parler, nous organiser nous toujours parler, nous toujours communication ensemble. Mais police là yo même dire que avant yo quitter police là, yo pas prêt à quitter police là pour dire qu'il est amené derrière. Mm-hmm. Et bravo à ces policiers, à ces vaillants policiers. Et n'a dit tout policier qui eux-mêmes a quitté pays là, remettre tout matériel là que la police qui dans mon. Et c'est ça le conseil m'a bail à des policiers qui entendent quitter pays là, soit dans le programme Biden, soit n'importe qui programme, n'importe visa, bagage ça, on quitter pays là, aller dans personnel remettre tout document la police qui dans mon. Ça c'est ça qui plus simple qui est important pour que demain, parce que demain pas oublier, est-ce que nous avons des policiers là qui États-Unis, qui n'importe quel pays là. Les entrées là, il n'y a pas arrêté, le coup de Il y a un policier là qui quitte le pays là, les entrées, il n'y a pas arrêté. Il n'y a pas arrêté pour qui ça? Il n'y a pas arrêté parce que il va remettre matériel la police là. Ah oui, ça son problème, nous t'es posé avant là, nous t'es gardé. Oui, il n'y a pas arrêté parce que il va remettre matériel la police là. Et deuxièmement, il y a un matériel la police qui a joué un bandit. Ok? Les gens qui des armes la police là. Non, mais bandit, les gens qui des armes la police là, non, mon petit frère, non, mon petit cousin, non, mon petit famille. Mais je dis là, Zam ça a trouvé le nom de Bandi. Qu'on a porté ça lui-même. Qui peut être tape pour travail sérieux. Maintenant, qui vient nous elle pas prêter là. Mais ça c'est comme erreur. Liquider pour liquider pour ça. Liquider Zam ni derrière. Zam non ou signé pour lui. Faut qu'on remette lui dans le service personnel de la police nationale là. Dans la logistique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on lettre ou font lettre ou vous démissionnez. Ou quitter pour ça. Ou remettre matériel. Yo. Et c'est ça qui fait qu'on bonne policier là. Qui traverse à l'étranger. Dans le moment où on parle voilà là. Eh bien, nous avons un aéroport international là, il y a tant de gens qui ont été là, il y a arrêté. Parce qu'il n'y a pas de mettre matériel à la police là. Et ça, quand vous avez conseillé à des policiers, de pouvoir quitter la police là, ils ont simple bagage pour faire, ou est-ce qu'on l'aide, ou remettre tout matériel qui n'a pas de mettre, ou qu'on prend accusé de réception, et qu'on te remette tout ça ou te gagne dans mon. Ok? Donc ça veut dire que je vous dis là, un policier, il faut que nous fassions plus attention, parce que faut que nous battons pour que. Pendant qu'on a quitté la police là, on quitte avec la tête haute. De façon à ce que moun pa vin prend nous comme n'importe moun. Je dis à la, gon bon policier qui n'a pas problème, qui n'a pas qu'à entrer dans le pays à tout, parce que je dis à la, Zamio qui n'a pas bandit. Zamio de gagné, qui te quitté les armes légales, et bien là, trouvé le nom l'autre moun qui n'a pas de qui pas de nommer. Donc ça veut dire que nous connaissons ces situations qui sont là, je dis à la. Le dossier de Jovenel Moïse. Nous connaissons. Léon Charles. Le directeur, l'ancien directeur général de la police nationale, il faut qu'il commence à réfléchir là parce que, et selon certaines informations, il y a une grosse possibilité pour inculper dans quatre dossiers Jovenel Moïse. L'ancien directeur général de la police nationale, il y a une pile possibilité pour inculper. On parlait de Léon Charles. Dans le cas d'assassinat Jovenel Moïse. Il y a plusieurs éléments qui présentaient sous dossier. Gagner des dans quatre dossiers qui gagnent ouais avec le dossier de Tibois, de Petit Bois. Il aurait tourné sous lui côté gagner des questionnements qu'a fait sous base que il était parlé avec Léon Charles t'a gagné information sous dossier, il communiqué à président information qu'elle t'a gagné. Donc ça vient de mettre Léon Charles dans une situation tête chargée parce que c'est coup d'État, c'est tentative de coup d'État 7 février 2021 qui va mener à coup d'État ou bien à l'assassinat du président le 7 juillet 2021. Donc ça veut dire que il semblerait selon information nous gagnons, c'est que le chef, on dit le coordonnateur du Palais National, en l'occurrence monsieur la guerre civile. Et pas de président est allé dans Swatland et avant 7 février, eh bien, il était parlé avec Léon Charles pour dire que, est-ce qu'on est au courant que un événement qui est arrivé là, à savoir que, gagner un coup d'État qui a préparé là pour le président. Léon Charles fait qu'on est que, eh bien, lui-même, il dit, est-ce que c'est pas M. Beauvoir là? Est-ce que c'est pas dossier bah Beauvoir là? Comme quoi elle t'a minimisé, comme quoi elle t'a gagné information. Hein? Maintenant, le fait qu'elle pose des questions, hein? Maintenant, l'autre là dit, est-ce qu'on pas au courant de ça, commandant? Et, ou pas lui, nous, dans la même date, 7 juillet, la guerre civile
te ordonné à agent palais national yo USGPN 4 team pour te marrer colombien yo et ça pas de obtempérer te prend balle te mouri. Donc ça veut dire que elle t'a même demandé, la guerre civile a demandé pour que lui-même lui mène en interrogatoire là, ça que Léon Charles pas d'accord. Donc c'est là bas la brine pral marrer. Donc je veux dire là ta doit gagner ça rele yon face à face entre Léon Charles avec Jean la guerre civile juge instruction hein, et ta gagné intention pour ta fait et on nous dit face à face ça entre Léon Charles qui est-ce qui a bail menti, est-ce que c'est Léon Charles qui a bail menti, est-ce que c'est la guerre civile qui a bail menti. Donc ça veut dire que c'est quoi sa situation est là jodi à là on nous dit que même gens que juge a décidé pour le tendre et premier ministre avec toute l'autre dignitaire ou dignitaire du gouvernement. Donc ça veut dire que je dis à là dossier Jovenel Moïse eh ben lui a essayé avancer en dit que si vraiment juge là et a décidé tendez eh ben n'est-ce pas vrai le premier ministre actuel à savoir Ariel Henry eh ben c'est pas un gros pas, c'est pas un gros pas dans quatre dossiers ça. Donc c'est comme ça va là il a nous connaissir et il y a plus de possibilités pour inculper ancien directeur général de police nationale là, M. Léon Charles, dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. En tout cas, dossier à suivre. Dossier à suivre. Eh bien, rendez-vous à ce, on nous dit, c'est dans en stress, ok, sur route Boudon. Ouais, bah ouais, moun kap conduit pas vrai, moun kap vrai pas conduit. C'est ça lié. L'émission Matin Débat, votre émission de prédilection, l'émission de formation et de formation. Allez là, bon week-end à tout le monde. Voilà. Bien. Ok. Colonel Imler Rebu, Bahamas promet 150 policiers pour Haïti pour venir combattre gang. Kenya lui-même, le nom des marches, lui proposer tête li pour prendre leadership, donc yon éventuelle force multinationale pour Haïti. Et yon ta déjà conclu que yon capable de venir avec 1000 policiers. Qui ça Kenya capoté donc non démarche pareil? Nous sommes un pays côté situation à vivre là tellement fait moun souffrir. N'importe qui vent souffler qui dit que tu as capable dans une solution, grand pile moun qui prend pile espoir. Mais malheureusement, en Haïti, nous pas li en pile. Nous pas fait recherche. Et assez souvent, nous courons monter sous barrio par rapport à désir, nos sensations, nous. Ça nous t'a aimé, ou bien ça nous raillit tout. Donc, nous n'avons pas un recul pour nous analyser la situation. Mais quelle situation Kenya est aujourd'hui? Ou t'as dit tout à l'heure, c'est bon blague lié. Premièrement, son choix raciste des États-Unis. Il n'y a pas de doute. Oui, bien sûr. Deuxièmement, il y a pour qui ça aussi. Non, on dit son choix raciste, c'est ça? Oui, son choix raciste lié. Son choix raciste des États-Unis. Son choix raciste lié, ça est très clair. Très bien. Et maintenant, pour qui ça y est? Pas oublier que les États-Unis connaissent très bien la nature vraie bandit qu'il y a en Haïti. Très bien. Et peut-être ça ne fait pas fini. Et c'est ça qui fait dès le départ de nous, il n'y a pas fini. Parce que vraiment Dieu, c'est pas des roues qui sortent dans la rue après le tirer, pour le kidnapper, etc. Ouais. Non, ça aussi de petits travailleurs. Vraiment qui concevoir l'infrastructure banditisme que nous avons là, et Américains qui connaissent. Et Américains ou Canadiens qui viennent tout. Ils n'ont pas venu. Maintenant, il y a le point Kenya. Pour qui ça? Quand Kenya a traversé, président Ruto a traversé une crise qui est similaire à la crise où le président Jovenel Moïse a passé dans le dernier moment avant de mourir. Tête chargée. Il y a une plus grosse négociation difficile. Donc, président Ruto fait une bonne affaire sur le plan politique. S'il a accepté le job, ça. Licence par rapport à l'opposition kenyenne, il y a une sorte d'appui américain. Exactement. C'est un coup, Jovenel Moïse qui était viré d'eau par le Venezuela, et juste pour jouer le support des Américains. Exactement. Très bien. En même temps, tout, par rapport à la situation économique difficile qu'il a traversée, ça permet qu'il y ait un petit transfert d'équipement
et accès à une série de l'argent. Correct, correct. Donc, Kenya a accepté parce que la transaction à la fois économique et politique. Très bien. Maintenant, derrière le tout, il y a 1000 policiers qui ont fait un travail de reconnaissance. Ils n'ont pas pris engagé sur le terrain de détruire les bandits, ce n'est pas vrai. Donc, ça veut dire ça. Reconnaissance, ça veut dire que vous gardez le terrain. Mm-hmm. Parce que vous n'avez pas évolué sur un terrain qu'on ne connaît pas. Très bien. Vous gardez la topographie du terrain, composition sociale espace là. Ok. Par exemple, yo dou gen bandi. Mais qui bon bandi yo caché, qui bon yo yé, qui paye à évolution yo. Et les nèg fin fait travail de reconnaissance, si vous faites bien, ou après tomber dans dilatoire jusqu'à ce que pas jamais vini. Ok. Et sous Kenya yo vini, moi Gwantik Mekri, c'est affaire de mon Liliane qui peut pas sortir parce que Libye n'a pas de tempo politique là. Bien, 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 bien. N'est-ce qu'on fait pour prévoir un pile secret de budget et y a pas de dire. Reprenez pour moi, si Kenya est venu, je vais mettre ma chasse à Kayo. Un pile secret pour retourner à Kayo. Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais ça n'a pas dit matin, oui. Parce que là, ce n'est là qu'il a venu. Un pile secret, il y a pour pas bandit, pas paquet. Ouais. Parce que c'est bien ou pas bien comprendre le système banditiste qu'il a, son système banditiste qui a plusieurs étages. Si monsieur tout bon jour est sorti dans la rue, c'est des gens qui ont caché le tirage à manger et qui n'est pas très conscient. Très bien. Vraiment, c'est au compte voir quadrillage où elle fait son vie. Et c'est eux-mêmes qui gèrent l'argent. Et banditiste là. Bien, bien. Maintenant, les États-Unis lui-même obligés de faire ça à faire. Bien, bien. Parce que si M. Kenya est venu ici, pas oublier que bon bagage extrêmement important qu'il a droit faire. Mm-hmm. Et plus quoi que c'est dans le projet ça que Ariel Henry y est. Ariel Henry pas voulu faire insécurité résoudre en Haïti. Mais on a pas intérêt, il pas intérêt parce que plus que plus gain insécurité, c'est plus tu là capable de rester au pouvoir. Mais il besoin un tempo. Pour qu'on ouais les mounio aider à ba quoi tout monde relewé. Oui. Il besoin des troupes pour venir pour mettre cap faire patrouille dans la rue par exemple, ouais, ils mettaient un pile blindé qui fait route cadran monter descendre. OK. Et puis ils ont fait deux trois machines passer. Et puis après les ouais sécurité établie circulation fait nous cap faire élection. Très bien. Américains ont besoin ça pour cap protéger élection cap fait la Kailia. Oui en 2024. Ouais. Parce que avec dernière mobilisation qui fait bagay ou pasteur Grégory tout cet effet, c'est bon bagay inutile non? Non, il va inutile non du tout. C'est une démonstration de force liée et son bagay qui allait en négociation directe de vote haïtien pour Biden ou contre Biden. Correct. Donc, Amérique, yo bon marché pressé, yo obligé, prend pause, yo fait un bagage pour Haïti. Mm-hmm. Et on après a fait pile cover en politique pour nous mettre Kenya vini et que situation rétablie, sécurité rétablie, mais élection faite en Haïti. Très bien. Très bien. Donc, le ça. Il y a bien appui un pile haïtien aux États-Unis qui comprend que la sécurité est établie vraiment. Et puis autre chose également, il y a Donald Trump, en fait, tout le monde connaît qu'avec Donald Trump, la situation n'est pas facile pour Haïtien et face à le premier mandat qu'il a gagné. Donc on a l'intérêt du président Joe Biden pour courtiser justement donc les Haïtiens, pour Haïtiens capables de voter pour les démocrates. Exactement. Mm-hmm. Maintenant, à l'intérieur ici, et Ariel Henry a bien content pour courir faire élection pour le cabré mettre contre le gars avec Diabla pour le cabré mettre Diabla pour voir. Correct. Correct. Chaque fois qu'elle passe après, elle n'a pas besoin qu'on ait. Bien, bien. Maintenant, ça, c'est calcul payo. Mais terrain lui-même, qui j'en prends réagir. Parce que si Ariel Henry devait résoudre le problème de sécurité,
les populations à Morsi Boakale, ça a fait. Il n'est pas fini. Il n'a fait ni gouvernement, ni la police accompagner la population. Je dis à nous chercher un bandit pour faire une bête de madame. C'est vrai. Donc, et ouais, les Boakale a commencé, ils ont couru pour la disposition. Ils ont dit que non, c'est pour remettre. La justice. Dans la police. Ils n'ont pas dit pour la police accompagner Mounio pour capable vraiment dire non. Donc, ils n'ont pas voulu résoudre le problème de sécurité parce que bandits, vrais bandits, bandits intermédiaires, qui ont baissé sous téléphone, yo, toute communication avec gros papa chef bandit politique, yo, captain pour retourner vivre grand pouvoir dans l'élection. Ça. Et c'est ça qu'il faut, ouais. Ils n'ont pas continué à poursuivre les gros bandits. Bon, l'homme de gros bandits, c'est les bandits intermédiaires. Oui, les bandits intermédiaires, très bien. Parce que nous avons fait des vidéos, nous avons fait des choses. Ce n'est pas un vrai bandit. Vrai bandit, ensemble avec Ariel, ce bandit à cravate, c'est eux qui ont commandé des cartouches et qui ont transité à travers les frontières, les armes, les cartouches. Et puis cap et compte l'argent tout c'est eux même qui veulent bandit aussi eux mettre business et américains ils la donnent tout mais ils la donnent tout très bien très bien donc là donc là affaire Kenya donc son bah nous mettez en de côté parce que l'est pas clair jusqu'à présent et puis, non il est beaucoup clair nous allons montrer au côté le beaucoup clair et qui analyse pour nous faire même si y a beau force là. Autant de les États-Unis, tout le monde font résolution ensemble avec l'Équateur, qui pourrait passer, qui boit devant le Conseil de sécurité. Maintenant, il ne faut pas analyser la situation haïtienne de manière isolée. Claire. Il faut regarder ce qui a passé en Afrique, qu'on y a. Ah oui. Il faut regarder ce qui a passé en Afrique et la Russie. Même s'il ne paraît pas directement, ça va passer en Afrique bien content, parce que ça porte des embêtements à la France. C'est clair. Et la France, Kounye, a essayé, ouais, s'il est capable de passer par en bas, faire CDAO, Alf, Pozonzac, au Niger, parce qu'il n'y a pas capable de quitter la quantité d'uranium qui est au Niger. Là. Ah, mais il y a perdu, parce que. Il y a perdu. Il a déjà perdu. Il a déjà 80% perdu. Perdu, c'est ça. Et Kounia, si ça ou moun pral di Vladimir Poutine pour faciliter la France qui est en coalition avec les États-Unis contre l'Ukraine. Non, c'est clair. Le grand perdant, c'est la France. Donc, du point de vue politique, Poutine n'a pas qu'à faire, il n'a pas qu'à prendre, il n'a pas faciliter les États-Unis. Sous ça t'a fait, ça met qu'on a une gros négociation inimaginable qui fait en battable. Donc c'est PIA pour la Russie. Donc la Russie n'a pas quitté le passé. C'est bien. Bien que l'on affaiblisse pas qu'à porter dans la Ukraine, très clair, mais Vladimir Poutine a bien intérêt à accélérer tout bagaille qui passe en Afrique parce que il compte intérêt la France. Et si on compte intérêt la France, la compte intérêt les États-Unis, tout parce que les États-Unis coalisés, la France coalisée avec les États-Unis, compte intérêt et Russie. Très bien. Donc, résolution, ça n'a pas passé devant le Conseil de sécurité, même si tout le monde a fait blague, il a raconté. Très bien. Maintenant, il faut qu'on une résolution d'abord, et même si et Kenya a voué les gens ici vraiment, pas oublier que la police kenyane gagne 100 000 hommes là-dedans. OK. Yo sur le front actuellement en un conflit politique qui gagne et c'est la police la plus brutale qui gagne qui a fait exécution sommaire tout temps que l'ONU lui-même a metté sur le banc des accusés. Bien bien. C'est une police qui a touché 21 000 shillings. Shillings. L'argent là caillou. 22 000 shillings la Kayoa représentait environ $150 américains. Oui, $150. Ouais. Parce que c'est 142 shillings pour un dollar. Ouais. Or, c'est exactement même l'argent que vous touchez. Bon, un petit peu plus bas que policier haïtien. Très bien.
Et nous, la police kenyane fait exactement ce que les bandits ont fait sur des matisans pour qu'ils arrondissent leur fin de mois parce qu'ils ont mal touché, ils ont mal logé. Mm-hmm. Et c'est la police qui vise les gens pour dangrien. Mais en fait, il y a des gens qui reprochent que y a un pile criminel dans l'armée kenyane, un pile policier. Oui, mais ils ont déployé en Somalie. Mm-hmm. Seul programme, c'est tuer les gens. Et tuer les gens, yeah. Et maintenant, monsieur Bandi ici, je parle de bandit, je parle de bandit technique. Technique, hein? Parce que États-Unis avec Canada pas venu en Haïti parce que yo connaît des bandits techniques parmi bandits. Eh ben. Et nèg sa yo, moi yo t'a figé Kenyan avec plaisir d'autant que pas aucune possibilité pour un policier kenyan maîtriser espace géographique haïtien. Reprendre ça moi. Pas aucune possibilité pour un policier kenyan bon ou pour quel que soit policier là maîtriser espace géographique haïtien. La très difficile. Il n'est pas capable. Très difficile. Parce que quand les bandits logés sont de couloirs de corridors. La très difficile. Très difficile. Donc, ils pas capable. Très difficile. Donc, si ils dit à faire qu'ils sont venus, c'est pour détruire les gangs, c'est les gens qui ont fait blague, qui ne pas comme ça parler. Bien, bien. Bagay pour ta fait, je ne pour détruire les gangs, pour ta neutraliser techniquement possible. Mm-hmm. Et si en Haïti, vous voulez résoudre le problème n'est pas résoudre avec seulement un appui technique, un appui technologique. Très bien. Ni les États-Unis, ni Ariel Henry, pas le problème gang n'a fini en Haïti. Ok. Soit pensez de Bahamas, sans ce que la police est pour Haïti. Bon. Manu. C'est un couple, les États-Unis ont flotté dans le chèque. On a passé au SLT après Ministre a éliminé quand? Non, non, nous disons oui. T'es qui d'abîme sous ministre, oui? Bon, t'es quoi, ministre, qu'on a le poté, nous avons 50 balles dans le site des soleils. Oui. Devant chaque ministre dans le site des soleils, il y a kidnappé mon négo, je ne fais rien. Il va faire rien. Il va venir pour supporter la police. Il va faire rien. Donc, l'OUE, ministre a déclaré, c'est l'OUE et président Préval. C'est dit bandit, c'est déposer ça à mourir. Oui, oui. Ok. Yo te tué 10 bandits. Hein. Yo te tué 10 bandits. Non. Déclaration faite, pas qu'elle a l'aide rentrée et non calme. Yo te propose dit, si on a déposé ça, il y a une réinsertion. Yo ba l'aide au petit copain, ba l'aide au caché pendant 2-3 jours. Mm-hmm. Et puis yo fait l'élection. Exactement la même opération et après c'est fait. C'est dans le cas de Amal du Grenade qui devait y aller, c'est nommé. Voilà. Demain. Donc, c'est pas ça, c'est cinéma. Demain. On pas voué à faire gang non fini. Et m'bral, on va être peut-être que pas être trivial. Les États-Unis pas gain intérêt gang yo éliminé en Haïti. Non, pas gain intérêt. La bonne munition. Comment ça, mi ou a fait vendre? Comment ça, mi ou c'est clair, parce que là, fait quoi? Et puis, quand on a fait le lobby et les armes aux États-Unis, dans le compte avec parce que la paix, mon marché, les armes. Non, mon Dieu, c'est nous-mêmes seulement qui avons résolu le problème. Non, mais il faut que les dirigeants qui veulent le problème dans le réseau. Très bien. OK. Maintenant, quelle est une petite déception, oui, de la part de Justin Trudeau concernant Ariel Henry? C'est pas une déception. Il y aurait laissé ça, là où Diaspora a joué, il y aurait laissé ça testing one. Ouais, testing one, two. Testing one, testing two. Uh-huh. Le un de conflit comme ça. Ouais, alors qu'on prend une déclaration que le juste de faire. Mm-hmm. D'accord, oui. Ou qu'on prend le juste de faire. Ouais, c'est pas, ouais, d'accord, oui. Ou pas tant de tout le monde, il y a pas les mêmes chargés d'affaires américains qui étaient là. D'ailleurs, ils transmettent le message à Anthony Blinken dit. Mm-hmm. Que tout le monde est fait pour
même pour Kenya, pour le vin là, il faut qu'il y ait une entente politique en Haïti qui joue. En Haïti qui joue, ah, démagogie. Donc, qui est-ce qui prêt à faire entente avec Ariel là? Ou n'est-ce qu'à faire entente avec Ariel là ou politiquement font suicide? Démagogie. Donc là, là encore, nous, nous retournons dans le cas de parler. La question est une question haïtienne. Donc c'est Haïti qui pose ce problème. Le passé est viré, n'a viré, et finalement, il y a un bagage qui aurait en politique. Dès qu'on vient tourner un obstacle, il y a déplacé l'obstacle. Il y a déplacé l'obstacle. En tout cas, la nouvelle, par contre, ce qu'on a dit, le juge Walter. Voltaire. Voltaire, il écrit commissaire gouvernement. Et non, en fait, bien entendu, il voyait ordonnance du commissaire gouvernement. Il dit que le TASO était étendu à Ariel Henry, ministre Patrick Boisvert, et Guito Edouard, Amos Zéphirin, et Ricard Pierre, dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Moi, je son testing ou un café, mais il n'y a pas fait comme ça. Eh bien. Il y a un obstacle, et même déjà Ariel Henry, ça oui. Jamaïque. Nous avons dit Sorel Jassel. Nous avons dit Alex Richard. Parlez nous de Ariel Henry. Où est-ce qu'il t'a monté dans le collège présidentiel là pour un refuge? Bien, bien. Je n'ai pas écouté, je connais son grand monde. Je n'ai pas écouté. Bien, bien. Et puis, 3-4 mois après, je dis oui, foot. Nous avons dit ça, oui. Ouais. Où est Ariel? Bagay Trudeau dit à ses ponts paroles qui dit comme ça. Oui, il n'est pas comme ça. Pas, parce que il te mettait trois plis même dans le dossier Haïti. Ou là? Il n'a pas attaqué un dirigeant étranger qui a collaboré avec lui publiquement comme ça. C'est donc, vrai. C'est vrai. Son message, mettre pour un mettre en masse. Il mettre en masse. Il a chez moi à côté de quelqu'un qui est bien plus loin. Merci, Bill, colonel Milarebu. Merci, Bill. Tombez là. Sans plaisir. Bon, voilà, je crois que nous.